Bonsoir, j'aimerais demander à Louise et à Séverine, pour rebondir sur ce que disait Mona Chollet à propos des jeunes générations qui n'étaient pas forcément évidentes à toucher, dans leur rencontre justement avec les très jeunes enfants à partir de 4-5 ans, parce que Louise aussi a animé beaucoup d'ateliers dans les écoles, dans les médiathèques, parfois des ateliers parents-enfants. Et évidemment, Séverine a rencontré des spectateurs, des jeunes spectateurs qui sont venus lui parler à la fin. J'aimerais savoir aussi si peuvent dire quelque chose sur ce qu'elles ont entendu, sur une sorte d'état des lieux où qu'il n'est pas évident de rencontrer, parce on n'a pas tous des enfants et tout ça. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que tout ça a provoqué? Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je travaille beaucoup en direction du jeune public dans d'autres spectacles, donc j'ai l'habitude de leur spontanéité et puis de leur retour. Mais après, parfois, il y a des pépites, quoi. C'est super. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la création, on fait souvent ça en jeune public. On monte, c'est comme pour tous les, tout, enfin bref, on monte des dossiers 2 ans avant, on raconte ce qu'on va faire, on nous dit ça va être à partir de quel âge, et là, il faut choisir comme ça un âge. Donc après, on a des petits cobayes. Moi, j'ai travaillé avec une petite classe que j'ai suivie pendant 1 an et demi pour voir si ça faisait peur, pour voir s'ils comprennent, enfin, plein, plein de choses pour tester. Et là, il y a déjà des premières choses qui sont sorties avant même qu'ils voient le spectacle. Déjà, je suis allée voir des grandes sections et j'ai été très étonnée. Alors, peut-être c'était cette classe-là. Ça m'intéresserait de savoir s'il y a des enseignants parmi vous, ce qu'ils en pensent. Mais moi, j'étais très surprise de voir que les petites filles étaient très timides et très introverties et ne prenaient pas facilement la parole dans la classe. J'ai trouvé ça désespérant. Et la semaine dernière, il y avait une classe de collégiens qui était là. C'était super. Et c'était aussi les garçons qui prenaient la parole parce que les filles étaient. Voilà. Donc, bon, ça, c'était déjà une première constatation au-delà des retours du spectacle. Et puis aussi. Comme j'étais en train de faire une recherche à cette classe-là, j'ai posé la question, donc grande section, qu'est-ce que c'est pour vous la beauté? J'ai vu qu'ils ne savaient pas trop répondre, donc je leur ai dit, si vous devez dessiner un garçon beau, comment vous le dessinez, ou une fille belle? Et les garçons ont répondu, les garçons, ça ne doit pas être beau, direct. Et les filles ont répondu, alors que je ne leur ai pas demandé, je leur ai demandé de répondre tous, mais les filles ont répondu, pour les filles, on doit avoir les cheveux longs, des bijoux et des chaussures à talons. Et je vous jure que c'était c'est ce qui est sorti tout de suite. Même l'instit qui les connaissait, elle était effarée. Donc bon, alors voilà, je me suis dit bon super, hein, j'y vais. Voilà. Et après, il y a plein de choses. Donc en jeune public, les enseignants avant, les relations publiques du théâtre. Louise, par exemple, qui rencontre les classes avant, après, les parents, les enfants. Il y a un gros travail qui se fait avant et après le spectacle. Le spectacle, il n'est pas juste au moment de la représentation. Pour parler, pour échanger, etc. Et puis, moi, comme beaucoup d'artistes qui travaillent en direction du tout public à partir de tel âge et du jeune public, on crée des spectacles avec différents niveaux de lecture. L'idée étant de s'adresser à tous les âges et entre autres aux adultes pour qu'ils soient intéressés par le spectacle et qu'il y ait un échange ensuite avec les enfants. Donc, il y a toujours des échanges qui se font comme ça, et il y a des pépites qui sont ressorties aussi d'enseignants qui ont retranscrit des retours, ou tout simplement quand je discute avec eux. Et parfois, c'est. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Alors, l'autre jour, en fait, il y a une scène, une des faces du carcan derrière que vous ne voyez pas. Il y a. Parce que je me suis beaucoup interrogée sur tout l'univers des objets féminins. Donc, il y a plein de choses. Et entre autres, je suis tombée sur les patrons Burda. Vous voyez, ces patrons pour coudre des vêtements. J'aimais le papier, j'aimais. Voilà. Et donc, avec Louise, on a travaillé des dessins de patrons Burda sur une des faces qui sont sur des panneaux. Donc, il y a une jupe, un pantalon, enfin, peu importe. Et à un moment, dans le spectacle, arrive ce moment où je dis, voilà, j'ai des cheveux qui ne poussent pas parce que c'est du vécu pour certaines femmes de se dire, mais il faut les cheveux longs, voilà, quand on est petite fille, il faut les cheveux longs et en fait, les cheveux poussent pas. Et puis, en plus, j'ai rien à me mettre. L'horreur. Et donc, on arrive sur cette face avec les vêtements qui glissent là, qui coulissent, qui sont juste des
dessinés comme des patrons burda. Et moi, je suis à l'intérieur et j'ai une lumière qui s'éclaire derrière moi. Donc, on voit mon corps en ombre, rond. Et j'essaye en avançant. Donc, comme j'avance, c'est du théâtre d'ombre, il faut visualiser. Comme j'avance, mon corps s'amincit à peu. Mais il ne parvient pas à rentrer dans les vêtements qui sont devant. Donc, ça fait énormément rire les enfants. Et j'essaye souvent comme souvent quand on discute avec les enfants, ils sont dans comment tu as fait et tout. Donc, j'essaye de les orienter sur pourquoi et le fond. Et donc, je parle souvent de cette scène. Et ce qui est chouette, c'est qu'à 5 ans, ils y croient encore vraiment. C'est-à-dire qu'ils me disent « Ah, t'étais pas très jolie. » Alors, je leur dis « Bah, pourquoi ?»« Bah, t'étais trop grosse. » Donc, je leur dis « Bon, c'est peut-être les vêtements qui étaient trop petits. »« Ah, bah oui. » Et après, je leur demande « Mais est-ce que c'est important ?» Et ils disent, ça m'est arrivé, ils disent, non, ce qui est important, et je me souviens d'une petite fille qui a dit, l'important, c'est la personnalité. Et voilà, et ils savent, on leur dit quand même, alors peut-être pas dans tous les milieux sociaux, etc., peut-être pas tous les enfants, mais on leur dit quand même ce qu'on vient de dire. On leur dit, voilà, c'est pas seulement la beauté. Et à 5 ans, je pense qu'on peut encore leur redire et insister avant que tout leur tombe dessus. Mais il y a déjà plein de choses qui leur sont tombées dessus, notamment les Disney. Donc moi, je leur dis beaucoup en partant, les petites filles, quand elles viennent me voir, elles me touchent beaucoup parce qu'on voit mon corps, on voit des parties de mon corps nu, on voit les jambes de la petite sirène nue, on voit le haut de mon corps pendant Blanche-Neige, et elles viennent beaucoup, les enfants viennent beaucoup me toucher à la fin du spectacle, hein, quand je viens devant, et je sais pas, c'est un rapport au corps, c'est intéressant, et je leur dis aux petites filles, et je dis aux petits garçons aussi, je leur dis, les princes et les princesses peuvent être de toutes les couleurs et de toutes les formes. Je leur dis juste cette phrase-là, et ils me regardent comme c'est... Oui, je m'en souviendrai. Et c'est super. Et l'autre jour, il y a eu des retours d'une petite fille. Il y avait 100 enfants, c'était à Grenoble. Et il y a une petite fille, donc ils disent « Comment tu fais ?» machin, tout ça. Bon. Et après, il y a une petite fille qui dit « Mais les princesses, c'est maigre. » Et elle était un peu ronde, tout ça. Et elle avait 7 ans, je pense. Et je lui dis... Enfin, il y avait comme un peu un point d'interrogation à la fin de sa phrase. On ne savait pas trop, en fait. Et donc, je lui dis, bon, tu as vu le spectacle? Est-ce que je suis une princesse? Alors là, c'est toute l'ambiguïté à chaque fois. Oh, oui, parce que j'étais sur scène, donc il vous trouve toujours magnifique, quoi. Même dans d'autres spectacles où on est mal habillé, tout ça, ils trouvent toujours bon. Et ils disent oui. Et je leur dis, bon, alors quelle princesse je jouais? Donc, ils énumèrent. Et finalement, je leur dis, bon, bah alors, moi, je suis pas maigre. Ben non, donc les princesses peuvent être grosses et rondes et de toutes les couleurs. Ah oui. Et là, la petite fille, elle était... Enfin, c'est super, je veux dire, on se dit au moins, ça y est, elle était soulagée, quoi. Donc, c'est des exemples un peu... Voilà, il y a aussi la semaine dernière, je ne sais pas, je prends des exemples, mais c'est pour vous dire comme parfois, on peut être gonflé à bloc par le jeune public, et parfois, comme cet après-midi, où ils sont arrivés, énervés, après une heure, avoir couru au soleil, c'était compliqué. Mais l'autre jour, ça, c'était une tout publique. Il y a une petite fille qui vient me voir 10 minutes après. Elle était toute seule. Ses parents étaient plus loin dans le hall. Et elle me dit... oui, parce qu'à la fin du spectacle, à un moment, je dis... J'énumère... à la fin du spectacle, il y a une libération, il y a une émancipation. Je sors du carcan. Et je dis... je ne suis pas toujours sage. Je ne me force plus à sourire. Je ne me tiens pas toujours droite. Et puis, je peux dire merde. Donc, je rajoute parce qu'on est au théâtre. Mais je dis merde. Alors là, dans les scolaires, c'est... Et là, la petite fille, elle vient me voir à la fin. Je pense qu'elle avait 8 ans. Et elle me dit, je suis très contente que tu aies dit merde. Moi aussi, j'aimerais bien dire merde parce que j'aime pas les princesses. Et c'était... c'était super. Donc on échange parfois aussi quand je sors à la fin, je dis je vieillis comme tout le monde, pas plus, pas moins, pareil. Mais je choisis mes rêves comme les garçons, pas plus, pas moins, pareil. Et là, comme les garçons, des fois, il y en a qui vont ouais. Donc je les regarde vraiment et tout. Puis il y a presque un mini débat qui commence. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui passent grâce aussi aux discussions après avec les parents. J'ai un petit, il y a un moment aussi, il y a tous les objets de torture. Il y a une petite chanson avec dessous dentelés, ma manucurée, coiffure bien laquée, oreille bien percée, poil ratiboisé, talons haut perché, dents blanches polies, haleine fleurie, aisselle toute lisse, savon aux épices, périnée musclée.
pour être bonne à marier. Ça, c'est la petite sirène qui fait qui s'épile, qui enfile ses bas, qui enfile ses talons et tout pour être super belle pour le prince qui, dans l'album de Louise et dans le vrai conte, en choisit une autre. Et donc, il y a cette espèce de petite chanson. Et alors, au moment du périnée, j'adore parce que des fois, il y a les enfants qui sont là, « Maman, c'est quoi un périnée ?» en plein spectacle. Et je me dis, bon, voilà, ils vont être obligés, ils vont en parler après. C'est quand même pas un mot dont on parle beaucoup. Et puis aussi, et donc c'est Marie qui me disait, non mais j'étais contente que tu me dises ça, qui me disait que dans sa classe de l'autre jour, c'était carnaval. Mais je suis pas surprise en fait, c'était carnaval. Et tu as 16 enfants, 16 petites filles, et il y en a 15 qui sont arrivées déguisées en princesse et une en ninja. Et je trouve ça terrible, mais vraiment terrible. Je veux dire, moi je me souviens quand j'étais petite fille... que c'est normalement le carnaval, c'est là où on s'éclate, où on se lâche, où il n'y a pas de règles justement, où on fait n'importe quoi. Et je me souviens qu'on quand même, il y avait bohémienne, il y avait pirate, il y avait, et là voilà, c'est très triste, il n'y a que princesse quoi. Et sûrement princesse, ouais, Ariel ou je sais plus, la Reine des Neiges là. Bon voilà. Et puis aussi, j'adore parce qu'il y a dans l'album de Louise, la première page sur le Blanche-Neige, on voit un vagin avec une échelle qui tombe du vagin et une petite Blanche-Neige qui en descend. Et on a beaucoup travaillé avec Louise cette image-là que je dessine. Donc au début, on voit mon corps en ombre. Et puis, je me pique le doigt comme dans le vrai conte de Blanche-Neige. Et je trace un cercle rouge avec ce qu'on imagine être mon sang. Et donc ce cercle rouge, je ne l'ai pas fermé en bas et on voit apparaître en ombre, pour un jeu d'ombre, le petit personnage. Ensuite, c'est percé, ça ouvre. Et donc c'est une spectatrice l'autre jour qui me disait qu'on voyait une vulve en fait. Donc après, les enfants voient d'autres choses. Mais voilà, moi je suis ravie que ce soit là. Mais les enfants voient autre chose, mais quand même une dernière anecdote, après je passe le micro. L'autre jour, je vois toujours mes petits cobayes en Bretagne, là, et ils avaient vu le spectacle, donc c'était un an après, et ils avaient fait des dessins. Donc, ils avaient dessiné ce cercle, ils avaient redessiné ce cercle avec le trou au milieu d'où sort Blanche-Neige. Et ensuite, il y a un trou en bas. Et il y a un petit garçon qui me dit, mais tu t'es trompé, t'as pas fait un vrai ventre, parce qu'il n'est pas fermé, ton cercle. Mais vraiment, Et je lui dis, mais les ventres, c'est pas fermé. Il me dit, mais si, c'est fermé. Je lui dis, mais non, les ventres des mamans, c'est pas fermé. Il y a un trou dans les ventres des mamans. Dans les ventres des femmes, il y a un trou. Et je lui dis, comment veux-tu que les bébés sortent des ventres des mamans? Il me dit, ah bah oui. Et là, quand même, l'instinct était là un peu. Mais il me dit, ah bah oui, et voilà. Et ouais, faut bien admettre que c'est pas un organe dont on parle beaucoup, et pourtant les enfants, nous venons tous de là, voilà. Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez pendant l'introduction, enfin de Louise, d'un genre d'état de fait un peu. J'ai pas trop compris en fait de quoi il s'agissait. J'ai l'impression que c'était pas très clair en fait. Apparemment, culturellement, il semble qu'il y ait plein de choses acquises dans le comportement des petits garçons et des petites filles. Mais enfin, je ne sais pas trop comment ça marche, moi. Peut-être que vous avez des réponses là-dessus. Et aussi, comment... et peut-être que c'est la question à la fois de l'atelier, des ateliers menés par Louise, du livre, du spectacle, et peut-être du livre de Mona Chollet aussi. Mais comment on peut changer un peu cet état de fait qui semble être latent, et je suppose que ça passe par l'éducation peut-être des plus grands aussi, mais c'est ce qui se passe pendant les ateliers. En gros, c'est comment ça fait, comment on peut faire bouger ces choses-là en fait. Eh ben, concernant les ateliers, en fait, moi, je fais travailler les enfants sur le livre et le spectacle, en fait. Enfin, sur la réécriture. L'illustration et le passage de l'illustration à la 3D avec des petits personnages en fil de fer et en soie. Après, en atelier, du coup, dans les parents, enfin, il y a plusieurs genres d'ateliers, mais dans les parents-enfants, c'est intéressant parce que au début, il y a un petit questionnaire qui oblige les parents à
à se questionner avec leur enfant sur, les héroïnes de conte. Voilà, enfin, ça soulève un peu. Sous couvert de parler des contes, évidemment, j'essaie de les faire réfléchir à la destinée des princesses et tout ça. Bon. Et l'état de fait, je pense que c'est ce dont parle Beauté Fatale, c'est que, et Séverine, enfin, c'est que il y a quand même une éducation qui diverge, en fait, entre... Que même sans s'en rendre compte, on n'éduque pas les garçons et les filles de la même manière, ce qui n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est la différence qu'on met, en fait, entre les deux et les possibilités, les projections qu'on met dans les enfants déjà tout bébés, en fait. Mais il y avait une émission... moi, je trouve ça un exemple intéressant. Il y avait une émission que j'ai écoutée où ils font des tests sur des gens, voilà, dans un hôpital. Ils montrent une vidéo de bébé qui pleure, donc un tout petit bébé. Et on demande aux gens pourquoi ce petit garçon pleure. Et du coup, les gens disent parce qu'il est en colère, il est frustré, il est furieux, voilà, il a du caractère et tout ça. Et ensuite, on monte la même vidéo du même bébé aux mêmes personnes en demandant pourquoi cette petite fille pleure. Et les mêmes gens répondent parce qu'elle est triste, elle a du chagrin, elle est sensible. Et voilà. Et pour moi, c'est le genre de test, par exemple, et d'exemple qui montre à quel point on est conditionné, mais même tout le monde, quand même dans le rapport qu'on projette quand un enfant est un garçon ou quand c'est une fille. Et je pense que c'est... C'est important d'en avoir conscience, juste pour désamorcer ce genre de schéma, en fait. Enfin, ouais. Évidemment, j'ai pas. C'est dur d'apporter des réponses comme ça, mais moi, il me semble que peut-être le plus important, ce serait d'introduire de la souplesse, en fait, c'est-à-dire de pas. Il s'agit pas d'interdire aux petites filles d'aimer les princesses ou de vouloir être des princesses ou de leur dire que la beauté c'est frivole et que dans la vie il faut s'occuper des choses sérieuses et voilà et ne pas se préoccuper de leur apparence etc. Je pense que c'est pas du tout déjà c'est faux parce qu'on n'est pas seulement on n'est pas des purs esprits on a un corps la beauté c'est je pense c'est une question une interrogation légitime mais je pense que ce qui est important c'est de pouvoir de veiller à ce que les enfants s'interdisent rien, en fait. C'est-à-dire que les petits garçons puissent jouer à la poupée, que les petites filles puissent jouer au camion, grimper aux arbres. Ça m'avait vraiment frappée quand j'avais un peu fait des recherches des lectures pour le livre et que je m'étais aperçue que... Enfin, notamment un livre que j'avais lu sur l'éducation des petites filles qui montrait que souvent, elles étaient beaucoup plus dans leur chambre que les garçons. C'est-à-dire qu'il y avait plus... des jeux plus calmes, on prend moins de place, on fait pas de bruit, on dérange rien. Enfin, il y a plus, alors que c'est beaucoup plus toléré de la part des garçons de tout renverser, de tout casser, de crier, de courir, de sauter. C'est pas grave si on salit ses habits, si on les déchire, etc. C'est étonnant de voir que ça persiste énormément en fait. Évidemment, pour moi, c'était assez frappant parce que cette idée de la petite fille qui dérange pas et qui prend pas de place, ça se prolonge. Beaucoup d'auteurs analysent l'obligation de la minceur sous cet angle-là, c'est-à-dire c'est l'interdiction de prendre de la place au sens le plus littéral, quoi. C'est-à-dire que même avec son corps, il faut prendre le moins de place possible. J'y pense toujours quand je monte sur ma balance maintenant, parce qu'on est toutes prises dans ces injonctions contradictoires et et c'est vrai que ce modèle de la minceur, je crois que dans le livre, je parle carrément d'injonction à la disparition, parce que il y a eu notamment des cas de mannequins. Enfin, le cas des mannequins, ça m'intéresse toujours parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de miroir, de loupe grossissante en fait, qui permet de voir des choses de la condition féminine qui sont énormément exagérées. Il y a eu des mannequins, notamment, qui sont mortes pendant après un défilé ou pendant un défilé. C'était en Colombie, je crois. Ça fait quelques temps que j'ai travaillé là-dessus, donc je ne me souviens plus des détails. Mais
où elles avaient tellement fait des régimes aberrants et arrêté de se nourrir avant les défilés que je crois même qu'il y avait eu le cas de deux sœurs qui étaient toutes les deux mannequins et qui étaient décédées à quelques années ou mois d'intervalle. Et puis l'anorexie, voilà, c'est une maladie qui tue aussi. Hein, donc, et c'est une maladie qui touche massivement les filles. Voilà. Des questions? Vous avez des interventions? Oui, je suis un peu. Si j'ai bien compris, c'est des enfants de 5-6 ans que vous avez en atelier, c'est-à-dire. Quel âge ils ont? Bah c'est assez varié, ça va en gros de 5 ans à 10 ans. Oui. Mais de toute façon, dès le plus jeune âge, c'est même plus tôt que ça se passe. Hein. Moi, j'ai une petite fille qui n'a pas avoir 2 ans. Toujours, je vais aller dans une halte garderie avec elle. Il y a déjà toute une partie pour les filles, quoi. Hein, la table à repasser, à 2 ans, enfin, c'est les petits. Hein, et la parole qu'on laisse aux hommes, c'est parce que ils voient ça dans leur famille. On en est encore là, encore les femmes à la cuisine, et les hommes en train de discuter à table, quoi. Elles voient tout ça dans la société. Ça n'a pas beaucoup changé à ce niveau-là, à mon avis. Vous m'entendez pas? Si, je suis une voix c'est qui porte. Donc, c'est pas étonnant. Je suis pas étonnée de votre que ce soit comme ça. C'est comme ça et ça sera très très difficile à changer quand vous voyez les cadeaux qu'on fait encore aux enfants, petites filles et garçons. La petite fille c'est la poupée, et les garçons c'est les voitures, quoi. On en est encore là, quoi. Donc oui. Et en plus il y a une pression commerciale, enfin des commerciaux d'un système qui voilà, ce dont tu parles dans le livre, qui est vraiment hyper forte, qui sont très doués pour ça. Donc, ouais. C'est vachement plus intéressant de vendre un vélo rose, parce qu'après, s'il y a un petit garçon derrière, on est obligé d'en racheter un. Oui, oui, bah voilà. Alors que le vélo rouge qu'on avait dans les années 70, qui servait à tous les enfants, voilà. Il n'y en avait qu'un. Oui, oui. Et donc, ils sont très doués, évidemment, ils sont très doués pour ça. Et ouais. d'où je trouve presque un recul dont tu parlais. On nous a endormis, mais finalement, il y a des gens très doués pour... autour. Bonjour, j'ai une question pour Monet Chollet. Vous êtes beaucoup interrogée, travaillée sur la place qu'occupent les femmes dans les magazines et même aujourd'hui sur les sites internet. Et on voit de plus en plus de femmes comme l'actrice Lena Dunham ou l'humoriste Amy Schumer, qui sont toutes les deux américaines, s'exposer, donc elles ont des corps ronds ou gros, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et donc les magazines féminins ou même plusieurs blogs les reprennent comme exemple pour dire voilà, maintenant on peut voir ce genre de corps et c'est une évolution. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment une évolution ou juste un leurre, un peu comme les magazines féminins qui régulièrement nous sortent c'est la mode des rondes, vive les rondes, ou est-ce que ça a vraiment des conséquences ou c'est plus une caricature? Je sais pas, c'est difficile. Comment on fait? Je réponds maintenant. Oui, d'accord. Non, moi je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'elles font. Enfin, notamment Amy Schumer, il y a un sketch hyper drôle où elle parle de tous les hommes qui l'incitent à se débarrasser de son maquillage en lui disant mais non, t'es belle comme tu es et tout ça. Et elle les prend au mot et elle met en scène à quel point ils sont horrifiés quand elle se montre sans maquillage. Enfin bon, et puis ce qui renvoie aussi à une peur féminine en fait, c'est-à-dire parce que c'est vrai que c'est un peu la conséquence de tous ces artifices. C'est-à-dire il y a une espèce d'insécurité profonde qui fait qu'on a l'impression que si on n'a pas tous ces prothèses et ces produits, on sera jamais acceptable. Donc elle joue sur ça avec beaucoup d'habileté. Et puis même Lena Dunham, j'ai l'impression que toutes les deux ont quand même alors après, évidemment, c'est dans certaines limites parce que c'est quand même le monde du spectacle. J'imagine que c'est un cadre qui peut-être limitera quand même à un certain point. Mais on voit qu'elle dérange quand même vraiment. Enfin, ouais, le corps de Lena Dunham qui se montre dans tous ses états dans sa série sans aucun complexe, aucun vraiment juste. Et c'est incroyable que ça fasse autant parler, parce que c'est juste une femme qui se permet d'exister telle qu'elle est et de prendre la place à laquelle elle a droit. A priori, c'est rien d'extraordinaire. Ça devrait pas être quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, si, ça l'est.
Et ça crée ça suscite des réactions y compris hyper violentes. Je pense que pour elle, ça n'a pas dû être. Il faut vraiment être solide pour encaisser les insultes qu'elle a encaissées. Donc non, je ne mettrais vraiment pas ça sur le même plan que le spécial rond de elle. Et la question précédente sur ce qui s'est passé depuis les années 70-80. Ouais. Ben, je sais pas, je pense que si on se souvient que dans les années 70, c'était quand même un peu différent. Je crois que c'est pas pour rien. C'est vrai qu'il y a, enfin, la fin des années 70, plus exactement, quand j'étais enfant à cette époque-là, et effectivement, il y avait déjà les poupées. Enfin, dans les magasins de jouets, on voyait bien quel rayon était censé attirer plus ou moins les garçons ou les filles. Mais il y avait quand même une circulation possible. On pouvait aller regarder les trains, les garçons pouvaient aller regarder les poupées. Il y avait quand même une espèce de fluidité. Enfin, l'espace était beaucoup moins quadrillé qu'aujourd'hui. Et je pense qu'on peut relier ça simplement au fait que... Enfin, il y a eu ce livre de Suzanne Faludi aux États-Unis qui s'appelait Backlash au début des années 90, qui montrait comment il y avait eu une réaction hyper forte qui s'est déployée très vite, en fait, contre le féminisme, et je pense que le retour de bâton, il s'est fait beaucoup par l'apparence, en fait, par l'injonction à une apparence extrêmement normée, qui était finalement la seule prise qui restait vraiment sur les femmes, parce que c'était difficile de les renvoyer à la maison, alors qu'elles étaient toutes entrées dans le monde du salariat. Enfin, c'était la contraception, c'était difficile de revenir dessus. Il y avait plein de choses qui étaient difficiles à reprendre, même si aujourd'hui, voilà, le droit à l'avortement, tout ça, on voit bien que même ça, c'est remis en question. Mais bref, l'apparence était un moyen assez... et en plus, je pense que c'est un point où les femmes sont assez vulnérables, parce que ça joue sur la peur de ne pas être aimée, sur la peur d'être rejetée. C'est quand même des mécanismes très profonds, quoi. C'est des armes de chantage qui sont efficaces. Enfin, si on dit à n'importe qui, fais ça ou personne ne voudra de toi, bon, j'y réfléchissais à deux fois, quand même. Donc voilà, et puis encore une fois, parce qu'il y a ce côté, parce qu'on peut travestir ça en pratique ludique, agréable, enfin, le nombre de femmes, moi comprise parfois, qui disent non, mais tout ça je le fais pour moi, s'épiler, se maquiller, enfin bon, c'est un discours qui revient énormément, parce qu'on l'a vraiment beaucoup intégré. Je pense qu'on peut avoir, c'est très difficile finalement de savoir où exactement la frontière entre. Ce qui nous fait plaisir, ce qui fait qu'on se sent bien et ce qui fait qu'on répond à des injonctions. En fait, c'est pas du tout évident, je pense. Et donc, je pense que ça facilite l'introduction de normes et de assez oppressives, en fait.